Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle série de vidéos de Let's Play sur le classique Super Mario Bros. 3 qui est sorti en 1988 selon Nintendo, mais en 1990 selon la Wii U. Donc, c'est pas clair. Ma sœur est avec moi. Bonjour! Donc, nous allons pouvoir... Ah, c'est vrai, je suis Luigi. Je pense que je peux pas contrôler. C'est toi qui peux contrôler. Ouais. Nous allons jouer à deux, donc. Et moi, je prends Luigi. Et moi, je prends Mario. Nécessairement. Select. On va se battre au départ pour savoir ce qui commence. Ah oh, non, pas ça, ça vaut pas la peine. Non, je vais ranger ça, ça va être... Ah! Yeah! Fait qu'on va tout faire les tableaux. Les niveaux. Les niveaux, ouais. Puis on fera pas les passages secrets. Oui, notre objectif est de faire tous les niveaux de tous les mondes sans utiliser de flûte, entre autres. Sinon, ben, ça serait bien trop facile. N'est-ce pas? Puis même s'il y a des niveaux pas nécessaires pour finir un monde, on va le faire pareil. Ben oui. Bien sûr. Voyons. Moi je sais pas. Excusez. Honnêtement, de mémoire, tous les mondes sont relativement. Ben, relativement faciles. Bon. C'est relativement faisable. Mais je me. Aussitôt que je pense au monde 8. Avec les tanks, puis les tanks avant, puis après le monde 8, puis Bowser et tout, on dirait que là, je panique. Comme si j'avais des bad trips. Ah! Je me croyais à Super Mario World. Je pensais que je pouvais comme flotter. Super Mario World? Ouais, mais je... Ok, tu veux dire au Super Nin? Ouais. Au Super Nintendo, oui, parce qu'on est en. Oui, à la fin, oui, on joue en même temps à Super Mario World. Mais ce n'est pas diffusé encore. Un jour, qui sait, peut-être. Là, on avait déjà commencé, donc on s'est dit que ça servirait à rien de. À mon tour! Je prends le relais! Mais qui mange des bonbons autour de moi? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Hein? Voilà. Information, nous jouons avec la Wiimote. Je sais pas si ça, on peut jouer avec d'autres. Hey, aïe aïe! Ça, c'est vraiment de la malchance. Youpi! Moi, je suis toujours habituée de jouer à ce jeu-là. Pour se faire Nintendo All-Star. Ouais. J'ai jamais joué, je pense, à Mario 3 ou Nintendo. Bon, ben, une première peut-être. Je l'avais. J'avais la cassette avant. Je sais pas pourquoi je l'avais, mais je l'ai prêté à quelqu'un puis il m'a jamais rendu. Je pense que c'est à Nicolas. Je pense pas, non. Je pense que c'est où ce que je gardais. On va pas l'aider. Oh, celui que tu l'as donné, je pense. Ah oui, je crois que oui. Je pense que t'as raison. Un cadeau inestimable que j'ai perdu. Le contrôle est merveilleux. À date, je n'ai rien à redire. Oh, bye, petite étoile. On survivra! La seule chose que je suis déçue un peu, c'est. Les pantalons de Luigi qui sont noirs ou de bleu. Oh, ben là. Commence pas. Donne-leur une chance. C'était pas. Dans ce temps-là, c'était pas. Les couleurs n'étaient pas. On pouvait pas choisir n'importe quelle couleur. Au Super, ouais, la Mario 2, au Super Nintendo, la gamme de couleurs est meilleure. Quoi tu dis? En Mario 2, leurs pantalons sont bleus.
Dans Mario 2, les pantalons sont beaux. C'est à vérifier! Les salopettes. À confirmer. Ça va, tu étais bien gelé quand on fait les nuages? Ouais. On dirait des sucettes. Mais sans bâton. Ou des petits bonbons. Des petits bonbons de petits vieux. Ouais. Ouais. C'est, des fois, c'est bien de. On aimerait ça avoir le, l'option coup de cul, mais non, ça n'existe pas encore. Ça se peut aussi que durant le jeu, j'ai tendance à trop fouiller. Non, pas à trop fouiller, mais à. Juste shaker dans la tête, là, j'essaie de trouver un mot plus, plus français. Oups. On garde son calme. Ouais, j'ai gardé mon calme. Il me semble qu'il y a une autre vie à quelque part. À ouais. Quelque part. Somewhere over the rainbow. Oh, il cherche. Pas mal tout seul, lui. Il est seul. Ici, mon truc, c'est me promener. Secouer, c'est ce que je cherchais. Ça se peut que je secoue la manette sans vouloir, car je suis en train de jouer aussi à Super Mario sur la Wii U. Et puis voilà. Ça, la vieillesse. Là, il faut faire le 3, hein? Ouais. Suivre le chemin. Pourquoi t'as fait l'autre, alors? Salut! Oups. Salut! Bon, on a dit qu'on les faisait toutes? Oui. Pourquoi t'as pas continué avec le 3? Ben, le 4, tu dis, je suis pas le chemin. Pourquoi t'as pas suivi l'ordre des chiffres? Je vais te le laisser pour ça. C'est gentil. Moi, je fais juste les nombres. Bye! Je fais juste les nombres pairs. Oh non, ça marche pas, je comptais avec 1. Mm. Faites une petite erreur de calcul. 2 plus 2 égale bleu. Allez, avance! On va voir si ce Mario est plus difficile que Super Mario World sur la Super Nintendo. Personnellement, Super Nintendo... vu mes expériences passées, genre hier, pas facile! C'est dans le monde. J'ai sorti un peu de mes gonds, disons. Ah, mais t'es rangé dans le monde étoile, là. Il y a pas de monde étoile là-dedans. On a quand même fini le jeu facilement, mais. C'est le monde étoile qui est dur dans Super Mario World. Ouais, c'est vrai. Ou Super NES. Super NES. Oh non, mais je voulais. C'est une erreur. Non! Oui, si on se baisse. Oui, c'est ici. Si on se baisse, ça va derrière les arbustes. Assez longtemps, hein. Faut que ça soit au moins 10 secondes, je crois, ou 5. Ça va derrière les carrés comme ça, là. Ici, là. Puis on va se cacher ici. Puis ici, derrière l'écran, il y a une flûte, je crois. Ah! Bon, là, il est temps que je rentre. Pouvoir! J'aime ça comment qu'il c'est le il truc, vole avec ses petits moignons. Le truc pour avoir toujours des étoiles, c'est juste de courir et de sauter au bon angle. Comment ça sert, tout ça? 45 degrés environ. Et c'est toujours gagnant. Mais il faut courir avant, il faut avoir un élan. Tu sais, je te laisse les champignons, je te laisse ça. Tu pourrais faire ça comme défi aussi, prendre aucun champignon? Mmh. C'est juste trop fou? Non. Parce que moi, Super Mario Wii, sur la Wii U, moi j'ai pris aucune maison verte pour des vies, aucune maison rouge pour les items. Puis j'ai 99 vies. Puis mes items sont presque pleins. Parce que je ramasse des champignons d'écureuil sans le vouloir. Puis on me donne des étoiles de pitié partout. Hey, j'ai quelque chose pour toi. Là, ici, si on vole, on a une flûte. Ouais. On fait ça comme ça, là. Je le ferai pas. Puis vous allez complètement à droite, ouais, puis vous allez avoir une flûte. Puis vous finissez le niveau. Et la flûte permet de changer de monde, évidemment. Et la flûte a le même son que la flûte de Link dans le premier Zelda. J'ai les pantalons tout mouillés. Ou tout trempés. Ah, elle est bonne votre musique, hein! C'est un diablé ici, quelle discothèque! Oups. Et il danse lui aussi. On dirait qu'une bavette. Mais c'est son corps.
Arrête de danser, puis. Ouais. La fête est terminée. J'ai un point d'interrogation, tu sais. Ouais. C'est poche, ça, je comprends pas. Poche. Ça veut dire quoi, ça poche? C'est mauvais. C'est poche. C'est nul! C'est. Non, ça n'en est pas. Oui, je sais. Puis ça non plus. Sauf si, bien sûr. Ah, c'est vrai, j'ai oublié quand on meurt, là, tous les niveaux s'en vont. Tu sais, comme mon M. Ouais. Mon M, ouais. Nous devons rester vivants. Nous devons, copine. Nous devons rester vivants. Allez, prends tes petits sous et puis c'est tout. Voyons, il. Il est-tu dans. Dans le sous-sol ou il est dans une autre galaxie, lui, là? Oh, c'est ça. Dans les étoiles en l'air. Ah, ben oui, c'est la tapisserie. Oui, j'adore les points de tour. Parce qu'au Nintendo, ça ressemble vraiment à une grotte. Là, on dirait que t'es dans une autre planète. Bah oui! Oh, je pensais que je savais que j'étais mort. Je croyais que la vie. Bye bye! J'adore être dans les nuages. C'est juste qu'il fait vachement froid et que j'ai plus d'oxygène! Le gameplay à date, ça c'est bien. J'ai rien à j'ai dire. J'ai pas de problème. Je trouvais que Super Mario World, le gameplay était différent. Je trouve rapide. Mais c'est vrai que j'ai pas la peut-être la bonne manette. Mais bon. Parce que moi j'ai pas une manette de luxe comme Mademoiselle, moi j'ai une manette faite en Chine. Seul dans. Quand j'étais jeune dans ce coin-là, là, je mourais tout le temps. Oui, c'était l'enfer, hein. Bye! Et c'est terminé! Il ne reste qu'à courir vers la gloire. Attention! 45 degrés! Ah! Oh merde! J'aurais pu avoir 5 vies! Bon, meilleure une vie que rien du tout. Hein? Pour rester positif. Ah! C'est quoi ça? Des gros marteaux? Oui, j'ai déjà remarqué. Yon. Ça, c'est très Mario, ce qu'on voit la plume. Ouais, c'est un nouvel item. C'est le Tanuki! Tanuki! Tu portes un chandail à son effigie, d'ailleurs. Que les gens ne pourront pas voir. Ah! Oh! C'est sûr qu'elle allait de l'autre côté, ben, c'est ça qu'elle fait au Spanien. Tu serais trompé. Mais on non, ici... Est-ce que je vole, là? Non. Tu pourrais le faire, mais... On va le faire à la R de... À la normale. Moi, j'allais dire la vie au Spanien, c'est toujours le même côté, mais ici, sur la Nintendo, les champignons peuvent te faire des feintes. Viens ici, toi, le petit monde ici. Allez, là! Réussis à ma place! Réussis ce que... Ou moi, j'ai échoué! Est-ce que tu peux me donner des vies plus tard? Non, on n'est pas Super Mario World. Non! Hey, j'en ai ramassé hier, après ta crise. On est rendu à 80 vies, Charles. Je sais, j'ai t'ai entendu... Je faisais toujours le tableau que t'es pas capable de faire. Merci de me rappeler ce douloureux souvenir. J'étais capable de le faire, c'est parce qu'à chaque fois j'étais à un millimètre, bon un millimètre, c'est pas ce point-là, j'étais si près de la barre de la finale, puis une chose... Ah, il y avait quelque chose! Ah, c'est moi qui pars avec les bénéfices! Il faut que je vérifie les blocs avant de prendre le cadeau. Mais là, j'avais pas le choix de prendre le cadeau. Parce que oh, sinon... c'est terrible! Le king, le roi a été transformé, s'il te plaît. Trouve la magique. La baguette. La baguette magique, où est-ce qu'on peut le changer? Le remettre à sa forme ouais. Originelle. Ouais.
C'est pareil, vous avez fait un bac à la traduction, ma chère. Mais merci beaucoup, en effet. Ah oui, je pense qu'il faut que je fasse. Ouais. Je suis en train de déballer mes bonbons, je suis désolée. Marilyn, des bonbons? Étonnant. Mais Là! On n'a pas d'encre! On va mourir! Parce que... On n'a pas d'encre. Ben, tant que... Ouais. Ouais. Ah! Oh, je croyais encore à Super Mario World. Je pensais que je pouvais sauter dessus. Et tant que tu passes à autre chose. Ouais, je sais. Nous sommes dans un tout autre niveau. Oh, prends la fleur. Ah, oh, il doit bien l'être en fleur! Ah, oh, qui est pas beau! Il n'est pas très beau. Il est juste un peu gêné. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Parce qu'il est un petit peu rosé que... Il est pas ça, le pet bleu. Mais dans ce temps-là, il n'y en avait pas de bleu. Ça n'existait pas. C'est vrai qu'il y a d'autres choses, de l'autre côté, une illusion. Ouais, ben, c'est une illusion. Puis ici, toi. Prends! Prends-y sa baguette! Ta, ta, ta. Nah. C'est toujours toi qui fais les boss. Arrête là, c'est pas Mario World, c'est toi! Non, mais ici, je parle. T'as fait les deux boss. Et moi, j'ai aucun bénéfice. Mais c'est quoi, avec quoi que je suis Luigi? On s'attendait à rien de moins que lui. Le frère de l'autre. Ouh, c'est de la moustache, ça? Oh, merci le ciel! Je suis revenue... à moi... encore. Merci beaucoup. Ici, il y a une lettre de la princesse. Ça veut dire quoi, greetings? Greetings, c'est comme une salutation. Salutation. Si vous voyez des fantômes, soyez prudents. There we give squat chase. Si vous voyez des fantômes, soyez prudents. Ils vont vous chasser. Si vous tournez le dos, okay. Ils vous chasseront. En fait, c'est la première fois qu'on voyait des fantômes. Uh-huh. Les boules. J'ai mis quelque chose. Dans le petit paquet. Un colis. Un bijou, un bijou qui va vous aider à vous protéger. Ça doit être un item. G-Wall. Mais nous parce que je sais que G-Wall, c'est le bijou. G-Wall. Et moi alors? Moi, je suis encore au monde 1? Ouais. Bon bien, nous sommes à 18 minutes de jeu environ et nous sommes déjà au monde 2, donc ça va relativement bien. Oh. Oups. Et c'est toujours à ce moment-là. Non. Ah, c'est très drôle. Non, ça m'a toujours énervé quand il faisait ses roulades comme ça avec l'étoile. Pourquoi qu'il ne veut pas sauter comme normalement? Il veut juste embêter tout le monde. J'avais une vie là. Peut-être pas. Oui, là après. Tu vas toujours dans les niveaux où il y a plein de vie. Laisse-moi attendre un peu. C'était juste. Oh, come on! Vive les erreurs du jeu. Ils sont vraiment généreux. Bon, une vie de plus. C'est la première fois qu'on voit les pins. Tout, 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 tout. Ah oui, en effet. Il est relax. Non, on va pas aussi marcher, ça, on dirait bien. Juste quand l'écran est proche. Quand t'as pas de jeu pour courir. Faut pas qu'il y ait d'ennemis non plus, on peut pas sauter. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oh, c'est moi le loser qui a le jeu de cartes. Oh, on a pas le choix de les prendre. Ouais. Que voulez-vous? À moins qu'on rate notre coup. Ouais, rate ton coup. D'accord.
On adorait ce jeu quand même. Ouais, j'aurais pu prendre Evaisu. Yeah, Evaisu! Oh non, j'ai raté mon coup. Non, je sais. J'étais une feinte. J'étais bien eu. Youpi! J'allais sauter dessus. Meurs pas avec ton mec. Comme bon, merci de me le rappeler. Puis les vies sont importantes dans ce jeu-là. Oui, je sais. Mais si j'avais eu ma 5 vies comme toi au début, ça m'aurait donné un coup de main. Ouais. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, c'est vrai, je peux pas donner un coup de fesse. Ah. Bon, mais c'est ça qui est ça. Courir. On peut lâcher. C'est là qu'il me donne une étoile. Je l'avais tantôt, mais j'ai sauté un peu en retard. Isabelle est partie pendant un instant. Je vais aussi commenter à sa place. En tout cas, le décor de ce château-là, c'est mal dans le gris, hein? C'était comme ça dans le temps. Ah, mon Dieu, il niaise pas, check ça. Pas vraiment le temps de réaction. Yeah! Cours, t'arrêtes pas! Ma queue! Il y a rien. Il y avait de la couleur verte au bout. La bug, je sais pas. Il y a du bleu, lui! Ouais, mais c'est du gris mutant. Encore un boss! Et moi? De l'or avec tu catch. Que je catch? C'est quoi catcher? Où suis-je? Oh! Link a ouvert un cadeau. Bon! Bon, ben, je vais laisser l'honneur à ma soeur de faire. Le niveau avec le soleil. Le soleil. Ah, je pensais que je pouvais prendre la coquille dans mes mains. Mais c'était une illusion. Je crois que c'est la première fois que j'ai une plume. Un grand moment. C'est toute cute en vert. Youpi! C'est sûr que je suis cute en vert. Qui est du douter? Une étoile! Ouais. Je sais pas si je peux frapper plusieurs ennemis, ça me donne des vies. À l'air, hein? Mon Dieu, à la vitesse que l'étoile a passé, négatif. Ça sert strictement à rien. C'est pas très brillant, ça. Hein? Oh, heureusement, ils sont généreux. On peut quelque chose en haut. On peut quelque chose en haut. Tu vois, Ah, d'accord. Voilà. Je fais un élan pour que je puisse me planter encore plus. Ah, la mémoire, il n'y a rien. Ok. La mémoire. De toute façon, on n'est pas ici pour découvrir. Et ici, il n'y a pas de pièce étoile, il n'y a pas de. C'est juste un but, c'est juste finir le monde. Oui, il y a quand même des petits bonus, là. Pour te faire des vies. Tu sais, des vies. Merci. Pour ce petit clin d'œil encore. Hé, regarde, lui, il fait une crise d'épilepsie. Ah, oh, il frappe les, il va toujours. Non? Il semble qu'il y a quelque chose. Oui, il y en a un autre. Bon, d'accord. Il y a quelque chose là. Je sais que tu parles en haut. Je crois qu'il y a quelque chose là. Oh non. Tu changeais tout en dessous. Ah non, il a. Maman! Maman! Ouais, il faut que tu fasses quelque chose là. Oui. Je peux pas le prendre. Oh, j'abandonne. Lâche.
C'est même... De toute façon, j'ai même plus ma plume. J'ai plus de capacité. Mais moi, j'ai une vie. Non, on aurait pu la perdre. Mais je ne l'ai pas perdue. Pourquoi être si négative? Tabarouette. C'est du bonbon, ça. Y'a quelque chose là? J'ai juste des sous, je pense. Ouais, moi aussi. Des sous tout le temps, il faut. Bon, d'accord, une autre étoile. Il le faut! Ah! Suivant. On fait pas les tortues dans les vents. Bon, on essaie de les éviter le plus possible. Ça ne sert à rien. C'est juste de vulgaires moustiques. Des mouches. Un caillou dans une chaussure. Qui veut de ça, hein? Un vulgaire caillou. On va lui péter la gueule, allez. Oui, on peut le tuer, hein. Mais ne fais pas ça. Sans sa source de chaleur, nous sommes perdus. Et là, c'est un petit peu difficile, là, non? Ah, c'était prêt. Mais... Ok, au Super Nintendo, c'est possible? Je pense que oui. C'est pour ça que j'étais aussi surprise quand que j'avais vu ça. Je sais pas si au Super Nintendo, on peut la prendre, la coquille. Ah! Je lui ai fait péter la gueule. Mais non. Je n'ai rien à dire. C'était tellement difficile ça quand j'étais jeune. On courait. Oh non, j'ai une fleur! Oui. Une fleur pour une autre fois. Bon. 5 ou 4? 4. Oh, potentiel de quelque chose en haut. Que nous ne saurons jamais. Je pense que je vais avoir ma première fleur. Oups. Ah oui, là je vais l'avoir. Ah non. Oups. Je pensais qu'il aurait continué. Ouais. Bon, je pensais que le bloc était en arrière-plan. Bon, on garde son calme. Ça va pas très bien jusqu'à maintenant. Bon. C'est tout moi ça. C'est tellement moi. Ah. Oh mais. La première mort, madame, monsieur, c'est qui? Mais, j'étais dessus! Tu as crevé un œil! je lui ai pas donné un coup sur le crâne, j'ai donné un coup sur l'oreille. Pourquoi t'as ça? T'as déjà tout. Je veux des points. Mais non, on s'en fout des points! Tu voulais écrire ça dans ton journal intime? Oui, je me suis fait 120 470 points aujourd'hui à Mario 3. C'était super super. Sans quelque chose, hein. Allez, vole. Vole, mon ami. Ouais, oh. Tu pouvais y aller. Tu pouvais y accéder par un autre. Oh, mais j'ai des sous, moi. Pour ça, je vais redescendre un peu pour voir ce que j'ai manqué. Et on fait quoi? Et on y va comment? Quelle stratégie? Voilà. Vaincu. Ouais, mais je voulais montrer ton skill. Mon skill. D'accord. Encore des plumes? Tellement de plumes dans ce niveau et moi que dalle! J'ai manqué moi ici là. C'était festival de quoi? On fait la rue. What happened? Where am I? What's the... Ok, j'étais là tantôt. C'est exactement là. D'accord. Donc on fait ça, on fait ça. Moving on. On fait ça. Ça.
Si c'est là, c'est par là, je crois qu'on peut y accéder. Ah, sauf que moi j'ai triché. Okay. Non, t'as pas triché. T'as pris un raccourci. Je t'ai servi de ta débrouillardise. Ça sert à rien. Je veux un champignon. Mais t'as perdu. T'as tout perdu. 15 vies. Bravo. Bon, mais tu as une possibilité d'en avoir 11. Ouais. Si j'en perds pas 5 de suite, ça sera mal. Bon, là, nous devons réussir. J'ai peur. J'ai pas confiance. J'ai peur. Il est revenu, lui. Ça veut dire qu'ils auraient pu aller quelque part et pu revenir. Ah, mais je peux prendre. Je peux la prendre. Ah, peut-être quand t'es grand, pas quand t'es petit. Ou peut-être ça n'a aucun lien, puis que ça a juste pas fonctionné tantôt. Bon, ben c'est mieux de s'en rendre compte au monde 2 qu'au monde 6. On aurait l'air vraiment de deux connes. Pardon. Je peux prendre les coquilles. Eh bien, félicitations. Oh, c'était mort. Ben non, c'est joliment bien fait ça. Oups. Des beaux cactus, hein? En rond comme ça. Quelqu'un le coupe à chaque matin. le taille. Déçue. Déçue. Oh, c'est historique, il faut que je marche. Il faut que je marche, bon d'accord. Oh non! Et là, je fais quoi? On recommence. Mais il va revenir. Non, il reviendra pas. Je vais encore me faire avoir. Ah! Ah, qu'est-ce que t'as fait? On recommence. Faut que je marche. J'ai pas confiance, moi, marcher. Saute! Oui! Ouais! Mon truc marche! Ah, on se vit. Je souffle. C'est bien. C'est bien. Merveilleux. Juste pour vous dire, les copains, que... si vous tuez une des tortues, vous avez le marteau. Le marteau détruit un bloc. Puis dans, je pense que c'est ce bloc-là. Ouais. Où est-ce qu'on a une flûte, je pense, comme cadeau. Faut toujours le montrer au pire. Sans y aller, sans y accéder. Je devrais te débrouiller. Yeah! Juste pour montrer à quoi ça ressemble tout cela. Tu vas encore faire le château? C'est vrai. Pourquoi? Avant que tu meurs. Je ne ferai pas exprès de mourir. Ah oui, c'est un bon tour ça pour avoir un espèce de petit labyrinthe ici. Moi, tu peux pas t'en sortir sans ta plume. La plume et les mots-clés. Je sens qu'il n'y a rien. C'est la difficulté du monde à... On peut pas les prendre ceux-là, je pense. C'est ça la difficulté. Bonne question. Je n'ai pas essayé. Mais je pense que oui, c'est très bien. Et vous avez tort. Donc, en d'autres mots, on pourrait réussir avec facilement la coupe. C'est juste que c'est plus difficile, c'est plus compliqué un peu. Badam, 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 badam. Quelque chose là, hein? Ouais, à gauche, je crois. Oups. Viens ici, ma petite Moody. Poupon, je détruis ce bloc. Poupon. Ouais, est-ce que je peux penser par moi-même, s'il vous plaît? Ouais! Deux vies en moins d'une minute. Ça, c'est positif. Est-ce que je peux revenir, s'il vous plaît? S'il vous plaît! T'as juste des petits moignons, en plus. Qu'est-ce que t'as comme des moignons? Parce qu'il est en mitaine. Un petit coup de queue, et puis le tour est joué! Je te déteste. Et les boomerangs, c'est supposé de revenir.
Qu'est-ce que ça veut dire? Un champignon? Fallait que tu marches. Je suis outrée. Bon, que je vais faire là? Pour avoir deux autres champignons? C'était possible. Putain. Comment qu'on fait? C'est quoi le piton? Sur quel petit bouton? Bon, vous voyez, donc ça, vous avez un champignon ici, puis lui va vous donner la petite tortue, elle va vous donner la flûte. C'était pas une grenouille? Pour le troisième monde? Peu importe, il va donner quelque chose de spécial. Quelque chose de... Je pense que c'est dans les champignons qui donnent la grenouille. Ah! Oh mon dieu, c'était... Ah, oh, ok, ça marche. C'est quoi ça, une espèce de gros verre? Une araignée. Ah, oh, qu'est-ce qu'il y a, des pattes? C'est parce qu'il y a un je fil. Je voyais pas les pattes. Ah oui, il y a un fil. Oui, c'est... En effet. Je n'ai pas vu ça. Je n'avais pas vu ça. Oh, les bateaux changent de couleur. Comme c'est mignon. Ils changent pas de couleur, je pense, à Supernil. Non. Il reste toujours pareil. La couleur de bateau, d'un vrai bateau. Un bateau avec des vis comme ça. Oui. Je sais pas c'est qui l'architecte du bateau, mais... Il y a une note des vis, là, il devrait commencer à mettre plus de bois. Ah, c'était vrai, ça? T'as face à la mort? T'as regardé la mort de face. Tu lui as dit... On s'est même pas rendu fuck compte. Fuck you! Wow, ta sauce ah, bouille. C'est vrai, il faut que j'en garde ma sauce spaghetti. Mon dieu. Je suis trop speedée, même. Tiens. Ça va, ouais. Attention, lui, il est... C'est Morton, on dirait. Ah, finalement, il fait pas mal. Tu ne lui as pas laissé le temps de faire grand chose. Ouais, mais c'est ça. Tu lui as sauté dessus. Comme un animal en rut? Non, c'était pas. C'était plutôt agressif et non sexuel. Comme un lion qui a sauté sur sa proie. Pas... Y'a pas une bébête là qui après baiser a tué son partenaire? La montre religieuse. C'est ça, comme une montre religieuse. D'accord. Bon, salutations. Tu peux. Elle a une voix bizarre. Tu peux écraser les ennemis avec le la chaussure de Goomba. Ah, oh, cette chaussure. La botte verte. De Goomba, ouais. Et j'ai mis quelque chose qui va t'aider. Un petit nuage. Princesse. C'est ici que va se terminer cette première vidéo sur Super Mario Bros. 3. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et nous poursuivons très rapidement avec la deuxième partie de ce gameplay que nous venons de commencer. Je suis déconcentré par Mario qui nous fait une chorégraphie mémorable. Donc voilà, merci beaucoup et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de Super Mario Brothers 3 sur la console Nintendo. Bye Mario!